Donc, avant de donner la parole à notre conférencière, Magalie Fournier-Plouffe, permettez-moi de vous la présenter brièvement. Alors, Magalie, elle a débuté sa carrière comme enseignante en histoire dans plusieurs institutions collégiales, dont le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Saint-Jérôme, le Collège André-Gasset, le Collège André-Brébeuf et le Cégep Marie-Victorin. Son intérêt marqué pour la pédagogie l'a amené à entreprendre des études de maîtrise en éducation à l'Université de Montréal et à devenir conseillère pédagogique au Collège André-Gasset, poste qu'elle occupe maintenant depuis 3 ans. Durant ses études en éducation, Magalie s'est particulièrement intéressée au concept de sentiment d'efficacité personnelle et à l'anxiété de performance, dont il va être question durant la présentation. Et à la fin de la présentation de Magalie, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un projet intéressant de la revue Pédagogie collégiale. Ça s'appelle, un instant, ça prend un village. J'ai bien hâte de vous en parler. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec ma présentation. Un petit peu. Donc, voilà. Ça va? Est-ce que tout le monde voit correctement? Très bien. Super, merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Là, vous êtes nombreux ce midi. Je suis vraiment très contente. Merci aussi à la QPC de l'invitation. Je me sens vraiment privilégiée, choyée là, d'avoir une belle tribune comme celle-là pour parler d'un sujet qui m'intéresse, voire m'obsède, je vous dirais, depuis quelques années. Donc, l'anxiété de performance. Avant de commencer, je tiens vraiment à préciser, là, à spécifier que je n'ai pas de formation de psychologie. Donc, l'angle sous lequel j'aborde ce thème-là aujourd'hui, c'est vraiment celui de la pédagogie. Donc, comme je suis conseillère pédagogique, l'essentiel de la présentation va porter sur des liens hautement pédagogiques en lien avec l'anxiété, ce qu'on peut faire en classe, des stratégies pédagogiques, des stratégies d'évaluation, etc. Mon intérêt pour l'anxiété, comme Nicole l'a expliqué, a débuté vraiment rapidement. Dans ma maîtrise en éducation, j'ai réalisé de multiples travaux, dont 2 travaux de fin de parcours sur l'anxiété de performance qui sont devenus des articles dans la revue Pédagogie collégiale, donc qui seront en bibliographie à la fin de ma présentation. Quand j'ai débuté ma carrière en enseignement, très, très rapidement, j'ai constaté ou j'ai pris conscience de l'anxiété chez nos étudiants. J'ai vu des étudiants qui se mettaient parfois tellement de pression pour bien performer que dans les faits, ça venait à nuire à leur réussite. J'ai aussi rapidement perçu le poids de la pression parentale qui pouvait peser sur leurs épaules. Donc, ce n'était pas une constatation qui était erronée. Dans les faits, si on regarde l'étude de l'enquête, en fait, qui a été réalisée par Gosselin et Ducharme, donc par hasard, je suis tombée sur cette publication-là en 2017, publication donc qui fait état d'une enquête qui a été réalisée à la session d'automne 2014 auprès de 12 208 étudiantes et étudiants collégiaux qui provenaient de 8 institutions collégiales. Donc, 8 établissements, certains publics, certains privés, certains en région, d'autres plutôt en milieu urbain. Et ce que nous révélait cet article-là, qui a été publié 3 ans plus tard, en 2017, c'est que 35% des étudiants interrogés ont dit ressentir souvent voire tout le temps de l'anxiété. Donc, c'était leur perception à eux. Et parmi ces 35%, 33% ont dit ressentir beaucoup ou énormément de pression qui était liée à la performance scolaire. Entre autres, ce qui était souvent relevé comme source d'anxiété, on avait la peur d'échouer, l'impression de ne pas être à la hauteur des idéaux de réussite, les doutes quant à la capacité de réussir, l'incapacité à tolérer l'échec, par exemple, la crainte de décevoir. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut relier de près ou de loin à l'anxiété de performance. On y reviendra tout à l'heure. Autre chose, autre constatation, c'est que 58,4% des étudiantes et des étudiants qui vivaient de la détresse ou de l'anxiété ont dit en avoir parlé au personnel enseignant. Ce qui en fait la première ressource en importance vers laquelle les étudiants se tournent quand ils vivent de l'anxiété. À titre indicatif, c'était 51% pour les aides pédagogiques individuelles, 24% pour les conseillers en orientation, 6,2% pour une psychologue. Là, je pense que ça a dû être affecté, ça dépend de la présence ou non de la ressource là, au sein de l'établissement. Bref, moi, j'y vois 2 constatations majeures. Déjà, en 2014,
la détresse était très présente chez nos étudiants. Donc, on pourrait supposer là, que si on faisait cette même enquête en 2023, les données seraient probablement plus élevées, donc le nombre d'étudiants qui vivaient de l'anxiété. Ça, c'est une supposition. Deuxième constatation, les enseignants sont la première ressource vers lesquelles les étudiants se tournent. Donc, c'est important que les enseignants sachent reconnaître, donc qu'ils comprennent ce que c'est l'anxiété de performance, qu'ils sachent reconnaître les manifestations, peut-être les facteurs de risque et qu'ils se posent des questions, en fait, pour savoir comment ne pas l'alimenter en classe. Donc, moi, quand j'étais enseignante à ce moment-là, puis je suis encore enseignante, là, vous allez voir que je fais souvent référence à mes expériences réalisées en classe, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire moi? Est-ce que j'ai un peu de contrôle là-dessus? Où s'arrête mon champ d'action aussi? Parce que je ne peux pas prendre tout ça sur mes épaules. Donc, comment moi, je peux mettre en place un climat d'apprentissage qui va favoriser le bien-être de mes étudiants sans moi-même vivre de l'anxiété par rapport à ça? Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu le fruit de ces réflexions-là. Donc, plan de la présentation. Les trois premiers éléments, c'est tout simplement pour pouvoir mettre un peu une base là, commune dans notre compréhension de l'anxiété de performance. Donc, c'est important de comprendre la définition, de peut-être la différencier du stress, de voir aussi peut-être en quoi l'anxiété de performance est différente des autres formes d'anxiété. On va parler des manifestations, donc il y en a plusieurs manifestations cognitives, comportementales, physiologiques, etc. On va parler des facteurs de risque. Tout ça, ça va être assez bref parce que je vais vraiment me concentrer sur le dernier point qui est les leviers d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement finalement en classe? Donc, débutons avec une définition de l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance, c'est une forme d'anxiété qui est vécue finalement quand une personne anticipe ou fait face à une situation où elle a l'impression que ses compétences sont évaluées ou qu'elle est mise en compétition avec une autre personne. Donc, l'anxiété finalement, c'est en fait l'anxiété de performance, c'est une anxiété qui est situationnelle. Si on la différencie finalement de du stress. Donc, le stress, c'est une réponse physiologique du corps à un stresseur, donc à une vraie menace, une menace réelle. L'anxiété, on est plus dans le trait de personnalité, par exemple. Une propension à anticiper une menace qui peut être réelle, mais qui peut aussi être, en tout cas, avoir plus de chances de se produire, être amplifiée. On va parler de scénarios catastrophiques, on va y revenir tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'anxiété de performance, ce n'est pas un diagnostic officiel. Donc, il ne fait pas partie du DSM-5, là, qui est comme la Bible, qui va répertorier les diagnostics et statistiques des troubles mentaux et psychiatriques. Donc, ce n'est pas un diagnostic en soi. On va souvent la relier à d'autres formes d'anxiété, comme l'anxiété sociale. Donc là, ça va être relié à la perception des autres, que les autres ont de moi. L'anxiété généralisée, donc ça va devenir une des sources, un des thèmes là, qui génère de l'anxiété chez la personne. Mais même si ce n'est pas dans le DSM-5, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le concept d'anxiété de performance malgré tout. Donc, ça va être dans des contextes qui peuvent faire émerger chez la personne une crainte de sous-performer, une crainte d'échouer. Donc, concrètement, en contexte scolaire, là, on pourrait dire que l'anxiété de performance, c'est voir l'évaluation comme une menace beaucoup plus grande que ce qu'elle peut être réellement et aussi sous-estimer sa capacité à affronter cette menace-là. Donc, j'ai déjà parlé un peu de la différence entre le stress et l'anxiété. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'anxiété ou le stress en petite dose, ça peut être bénéfique pour la réussite ou la performance. Donc, comme vous voyez à droite de l'écran, le stress et l'anxiété en petite dose peuvent augmenter l'engagement, la motivation des personnes, par exemple, en situation d'examen ou d'évaluation. Ça va augmenter la vigilance, la capacité de mémorisation, la capacité de se concentrer et la capacité à trouver des problèmes ou des solutions, pardon, aux problèmes. Ce qu'on veut dans une évaluation. Généralement, l'étudiant fait face à un problème et va devoir trouver une solution ou régler ce problème. Donc, ça peut être bénéfique. C'est quand on va dans l'extrême, autant
d'un côté que de l'autre, que ça peut nuire. Donc, si vous regardez le schéma qui se trouve à gauche, quand on n'a pas assez de stress, bien, il y a peu de chances que la personne se mobilise vraiment pour se préparer à une évaluation. Donc, dans ce schéma-là, on voit pas assez de stress, on est dans l'ennui, voire le sommeil. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut pour un étudiant. Donc, on veut être dans la zone de performance, qui est le stress optimal, donc qui est un niveau de stress que la personne peut gérer et qui va lui permettre de s'engager dans la tâche. Au contraire, quand on va dans la partie de droite du schéma, donc trop de stress ou un mauvais stress, ça peut générer de la fatigue, de l'épuisement, une désorganisation. Puis à long terme, la personne va développer des manifestations, des symptômes qui sont plus de l'ordre de l'anxiété. Donc, parlons-en de ces manifestations d'anxiété. Je les ai séparées en quatre catégories distinctes, donc au niveau des pensées, donc on est plus dans le cognitif, au niveau des émotions, donc émotif, comportemental ou physiologique. Ceci dit, ça, c'est pas premièrement pas une liste exhaustive. Là. Vous voyez les trois petits points, il y en a plus que ça. J'ai mis les plus importants, ceux qu'on voit plus souvent. Ça peut aussi varier énormément d'une personne à l'autre. Dans les faits, ça va varier en fonction de ses expériences de vie, de son désir aussi qui se cache derrière, son besoin qui se cache derrière son désir de performance, de son niveau de développement, du support qu'elle peut avoir familial, par exemple, ou dans son entourage. Donc, une même situation va générer des manifestations différentes chez deux personnes. Donc, allons-y premièrement au niveau des pensées. Donc, c'est des manifestations qui sont les mêmes que l'anxiété. Mais j'ai essayé quand même, puis je vais vous donner des exemples pour ramener ça à une situation d'évaluation dans un contexte scolaire. Donc, au niveau des pensées, donc perception négative de soi. Donc, vous allez avoir des étudiants qui vont dire des choses comme « je comprends rien, je suis pas bon, donc je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je suis bon à rien, etc. » Donc, l'estime de soi est souvent affectée dans une situation où la personne vit de l'anxiété de performance. Au niveau de la pensée, donc on va voir une pensée dichotomique de la réussite ou de l'échec. Donc, soit tout bon ou tout mauvais, donc une personne qui a par exemple 90% va vraiment se concentrer sur le 10% qu'elle a raté et avoir l'impression que ça constitue tout simplement un échec. Donc, il n'y a pas d'entre-deux souvent dans cette situation-là. Donc, on parle parfois de biais de négativité, aussi se concentrer sur la partie négative ou la partie qu'on n'a pas réussi. On va voir des étudiants qui font de l'anticipation ou qui appréhendent énormément, donc des scénarios catastrophiques. Là, je vais mettre un peu tout ça ensemble. C'est l'idée d'amplifier les conséquences réelles là, d'un échec à une évaluation, par exemple. Donc, avoir l'impression que parce que j'échoue un mini-test de 3%, je ne pourrais pas aller à l'université, si c'est les intentions de l'étudiant. Finalement, exagérer le danger, finalement, de la situation d'évaluation. Rumination, on est plus dans toujours revenir sur des choses qu'on a ratées, pas être capable de passer par-dessus. Puis souvent, c'est une boucle de laquelle l'étudiant a de la difficulté à se sortir. Donc, un étudiant qui n'est pas capable de passer par-dessus une erreur qui a été faite à une question d'examen ou un échec dans une évaluation. Malheureusement, ça va générer de l'anxiété de performance en vue des prochaines évaluations. Au niveau des émotions, donc la peur, la crainte, notamment d'échouer, stress, nervosité, on peut voir des étudiants qui vont faire des crises d'angoisse, des crises de panique, qui peuvent être à la fois le physiologique et émotive. Irritabilité, donc quelqu'un qui est plus irritable qu'à l'habitude, qui est plus impatient. Un sentiment d'impuissance. Ça peut aller aussi jusqu'à une détresse quand même importante puis des pensées suicidaires. Donc, c'est quand même important pour l'étudiant de, quand il vit de l'anxiété, dont de l'anxiété de performance, de prendre action, là, d'aller voir, chercher des ressources externes pour l'aider parce que ça peut quand même aller loin. Au niveau des comportements, donc il y a deux types de comportements classiques de l'anxiété de performance. Le premier, c'est l'évitement, la fuite, le retrait des situations d'évaluation. Donc là, c'est des personnes qui, plutôt que d'affronter ce qui les rend anxieux, vont essayer d'éviter le plus possible les évaluations, par exemple. Donc là, le classique, là, c'est des étudiants qui ont toujours une raison pour être absent à une évaluation. Souvent, ben, c'est parce qu'ils sont anxieux. Pas toujours, bien sûr, mais ça peut arriver. On peut
peut remarquer un désengagement des étudiants. Donc, il faut faire attention. Parfois, derrière un désengagement se cache une anxiété. Donc, un étudiant qui n'ouvre pas les consignes d'une évaluation, qui ne regarde pas les documents sur Léa, ça peut aussi être parce qu'il a peur d'affronter ce qui est relié à l'évaluation dans votre cours. L'évitement ou la fuite, ça peut se faire aussi dans autre chose, par exemple dans les écrans, dans la drogue, l'alcool, le sommeil, etc. Donc, c'est possible aussi de faire une fuite dans autre chose, les jeux vidéo, par exemple. L'autre opposé, souvent, c'est les deux extrêmes, là, c'est le surinvestissement dans l'étude. Donc là, on va voir quelqu'un qui a un comportement d'attaque. Donc, une situation qui génère de l'anxiété chez cette personne-là, puis elle va vraiment s'investir, mais excessivement dans la tâche. Donc là, c'est des étudiants qui vont, en vue d'une évaluation, vraiment étudier longuement, qui vont étudier avec le souci du détail, vraiment dans ces moindres détails. Souvent, ça mène malheureusement à des stratégies d'études qui sont peu adaptées aux évaluations. Par exemple, l'apprentissage par cœur, la personne va vouloir apprendre 100% de ce qui a été présenté, toutes ses notes par cœur, mais dans les faits, elle ne se concentre pas sur l'essentiel, puis elle n'essaye pas non plus vraiment de comprendre la matière. Un peu dans le même sens, on a la quête d'une perfection exagérée, un perfectionnisme. Donc, une personne qui va tellement mettre de temps sur un travail à remettre, par exemple, essayer de le remettre pour que ce soit parfait. Là, parfois, on parle de perfectionnisme malsain. C'est un terme qui est controversé là, en psychologie. Il n'y a pas tout le monde qui accepte ce principe de perfectionnisme malsain, mais l'idée, c'est qu'un perfectionniste qui peut avoir des impacts négatifs, ça peut aller jusqu'à un étudiant qui ne remette pas un travail parce qu'il n'est pas parfait, il ne le juge pas parfait, donc il préfère ne rien remettre que de se faire juger sur quelque chose qui est imparfait. Donc ça peut être des comportements qu'on peut observer. Recherche constante de commentaires positifs. Là, quelqu'un qui vous demande beaucoup d'attention, qui a besoin de se faire valider ses compétences, donc ça peut être signe que son estime de soi ou son sentiment d'efficacité personnelle, on reviendra sur ce concept-là tout à l'heure, est peut-être affecté. Donc, un étudiant qui vient vous voir qui a eu 95%, puis qui vient vous voir à votre bureau pour avoir des commentaires, ça peut être deux choses. Ça peut être le biais de négativité dont je parlais tout à l'heure, donc qui est une personne qui n'est pas capable de passer par-dessus le 5% qu'elle a raté, mais ça peut être aussi un besoin de faire valider ses compétences, de se faire dire qu'elle est bonne, etc. Finalement, négliger certains aspects de sa vie pour se concentrer sur l'étude. Donc, on va voir des personnes qui ne se concentrent que sur les études, vont négliger les sports, le sommeil, les activités sociales aussi, qui sont très importantes pour le développement de nos étudiants. Au niveau physiologique, c'est la même chose que l'anxiété de manière générale. Donc, le sommeil est souvent affecté. Donc, l'insomnie, les cauchemars aussi qui peuvent arriver, souvent des cauchemars reliés là, à des situations de performance, la fatigue, malgré le fait que la personne dort beaucoup, par exemple, migraine, maux de tête, tension musculaire. On peut voir une personne qui va être étourdie. Donc, dans le cas où elle fait une crise d'angoisse ou de panique, on peut voir les douleurs à la poitrine, palpitations cardiaques, des maux de cœur, des manifestations urogastro-intestinales, donc le besoin d'aller à la toilette. L'impression d'étouffer. Donc là, c'est plusieurs, finalement, manifestations physiologiques. Mais dans les faits, comme je le disais, ça peut varier énormément d'une personne à l'autre. Mais ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'il y en a certaines que vous pouvez observer pendant la situation d'évaluation, mais il y en a d'autres qui se déroulent en anticipation de la situation d'évaluation, donc avant l'évaluation. Les facteurs de risque maintenant, donc c'est la dernière partie pour un peu asseoir là, nos connaissances sur l'anxiété de performance. Ensuite, on va parler des leviers plus concrets, ce qu'on peut faire en classe. Donc, les facteurs de risque, vous allez voir avant que je change de diapo, mise en garde, il y en a beaucoup et se situent à plusieurs niveaux. Donc, j'ai représenté sous forme de cercle concentrique. L'idée, c'est que pour moi, j'envisage, j'estime qu'il y a quatre échelles différentes d'où proviennent ces facteurs de risque. Donc, une échelle qui est plus de l'ordre donc macro de la société. Il y a le contexte d'apprentissage que vous contrôlez en partie, mais pas tant que ça. On va y revenir. Il y a l'entourage. J'ai écrit entourage, mais c'est surtout la famille qui a un impact. Beaucoup l'environnement familial, mais ça peut être aussi les amis
Les enseignants peuvent faire partie de l'entourage de la personne, là, tout dépendant. Puis, de l'ordre de l'étudiant, donc son propre bagage. Votre étudiant, il arrive en classe déjà avec un bagage et ce bagage-là va être influencé par les trois autres sphères. Ce que je veux que vous compreniez avant qu'on passe rapidement à travers les exemples que j'ai mis, c'est que il y a beaucoup de choses que, comme enseignant, vous ne contrôlez pas. Donc, il faut s'enlever de la pression de vouloir régler les problèmes d'anxiété de performance de nos étudiants. Il y a plein de facteurs de risque, il y a plein de raisons pour lesquelles cette personne-là peut faire de l'anxiété. Vous contrôlez une partie du contexte d'apprentissage, vous contrôlez ce qui se passe dans votre cours, les stratégies d'évaluation que vous privilégiez, les stratégies d'enseignement aussi, mais vous ne contrôlez pas d'abord ce qui se passe dans les autres cours de l'étudiant et vous ne contrôlez pas les autres sphères. Donc, c'est important de se rappeler ça puis de s'enlever un peu de pression. C'est un problème qui est systémique. Donc, la solution va être aussi une solution systémique, c'est-à-dire une solution où il va y avoir à la fois les enseignants, mais aussi le ministère, les directions, etc., même la société qui pourra intervenir. Donc, pour la sphère de la société, d'abord, Société nord-américaine de performance et d'hyperproductivité, là, je pense que ce n'est plus à démontrer. Donc, on sait qu'on valorise beaucoup la performance, l'hyperproductivité. Et ça, en soi, ça exerce une pression sur l'individu. La représentation de la réussite sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études là, qui ont montré le lien entre les réseaux sociaux et l'anxiété chez nos étudiants. Pas juste chez nos étudiants, mais là, on parle des étudiants en particulier aujourd'hui. Donc, on sait, là, souvent dans les réseaux sociaux, on est dans la surenchère. Là, on va mettre de l'avant les réalisations et ça peut mettre de la pression sur l'étudiant quand il va se comparer. Donc, une personne qui va mettre, qui a couru un marathon avec un temps record ou une personne qui a fini un deuxième doctorat ou j'en sais trop, ça va créer aussi de la pression. La personne va se comparer. Et souvent, on parle moins des obstacles ou des difficultés vécues. C'est une partie qu'on occulte un peu plus sur les réseaux sociaux, bien que de plus en plus, on le fait. Là, il y a une sensibilisation dans les dernières années. Mais pour le spectateur, là, sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de quête d'un idéal qui peut être inatteignable. Donc ça peut contribuer. Il y a aussi tout le système d'éducation qui, malgré ce qu'on en veut, est basé quand même en grande partie sur l'idée de la performance. Donc, on est dans une vision de la performance. Là, on valorise beaucoup les programmes contingentés. Hein. Moi, j'entends souvent parler de droit, médecine, etc. Même comme institution, on peut souvent mettre de l'avant des éléments qui sont reliés à la performance dans notre promotion, les taux de réussite, les taux de diplomation, les taux d'admission à l'université. Donc, c'est vraiment des données qui sont reliées à la performance. Donc, le taux d'admission dans des programmes contingentés aussi, c'est souvent mis de l'avant. On s'entend aussi que la cotère, c'est un facteur important. Là, on sait qu'elle occupe une place très, très grande dans la réalité, dans le quotidien des étudiants au collégial. Ça, c'est un univers dans lequel vous devez naviguer et malheureusement, ça a un impact quand même important sur l'anxiété. D'ailleurs, le Conseil là, supérieur de l'éducation qui a émis un avis dernièrement suggérait aux universités, étant donné l'anxiété de performance que pouvait générer la cotère, de peut-être regarder d'autres facteurs aussi pour admettre les étudiants dans les programmes. Donc, de ne pas simplement se référer à la cotère. Donc, le Conseil supérieur de l'éducation est du même avis. Je vais revenir au contexte d'apprentissage en tout dernier parce que ça va faire un lien plus, disons, logique là, avec la suite. Puis, je vais passer un peu plus de temps dessus. Donc, je reviens au contexte d'apprentissage, je vais passer à l'entourage. Donc, essentiellement, je vais parler de la famille ici, comme je l'ai dit au départ, parce que les études sont sans équivoque. Donc, la famille a beaucoup, beaucoup d'impact là, sur le risque qu'une personne développe ou non de l'anxiété de performance. D'abord, par les attentes élevé et même, je pourrais dire, explicite ou même irréaliste des parents qui peuvent contribuer. Donc, des parents qui exigent beaucoup des étudiants, de leurs enfants, en fait, qui peuvent être insatisfaits et le témoigner explicitement quand leur étudiant répond pas à leur enfant, pardon, répond pas à leurs attentes. Donc, ça peut donner l'impression à l'enfant que l'amour des parents est conditionnel à ce qu'ils réussissent. Et surtout dans la période de l'adolescence, début de la vie adulte,
ou sont en quête de leur identité, bien, parfois, ce que ça peut faire, c'est que ça va faire partie de leur identité comme personne, la performance qu'ils peuvent avoir, leur réussite, leur succès à l'école, entre autres. La lignée familiale ultra-performante, là, on a tous entendu parler d'étudiants chez qui les parents, les frères et sœurs sont tous allés en médecine ou sont tous allés en droit, donc des programmes qu'on valorise beaucoup là, dans la société, ça peut aussi générer de la pression sur le jeune. Comparaison entre les membres de la fratrie ou avec les amis, donc si on est en présence d'un frère, sœur ou des amis qui performe très, très bien à l'école, mais en comparaison, souvent, ça peut affecter l'estime de soi, générer de l'anxiété de performance. On va avoir aussi les modèles anxieux dans l'entourage. Donc, il y a quand même une partie là, de l'anxiété de performance qui est génétique, là, si on veut, qui vient du bagage génétique, mais aussi par apprentissage social. Donc, quand on a des parents qui sont anxieux ou des frères et sœurs, grands frères, grands sœurs en particulier, qui sont anxieux, souvent ça peut contribuer à l'anxiété du jeune. Donc, un adulte qui gravite autour du jeune, qui travaille à améliorer sa propre anxiété, à mieux la comprendre, puis à développer des outils pour la gérer, va au contraire aider l'étudiant à gérer sa propre anxiété. Donc, avoir un modèle positif de gestion d'anxiété dans l'entourage, c'est un facteur de protection. En particulier, je vais vous parler de quand je parlais d'attente élevée, là, je voulais préciser, il y a deux catégories de population étudiante là, sur lesquelles je vais mettre l'accent. Les étudiants immigrants, donc souvent de première ou de deuxième génération, pour qui les parents sont venus au Canada, au Québec, souvent pour offrir des meilleures conditions de vie à leurs enfants. Donc, eux, ils vont avoir souvent des attentes très, très élevées de réussite pour leurs jeunes. Les étudiants de première génération aussi, ça peut, pas toujours, mais ça peut être un peu le même principe, des parents qui ont fait des sacrifices pour que leurs enfants puissent faire des études supérieures, donc ils peuvent avoir des attentes plus élevées. Ce n'est pas toujours le cas, mais je tenais quand même à donner cette petite précision. Au niveau des étudiants, donc les facteurs plus individuels qui sont reliés à l'étudiant lui-même, son propre bagage, donc il peut y avoir, d'un point de vue génétique, là, une prédisposition à l'anxiété. Donc là, ça fait partie presque de la psyché là, de l'étudiant. Donc il y en a qui naissent avec des fonds anxieux, qui ont plus tendance à être plus nerveux, plus réactifs à ce qui se passe autour d'eux. Donc à être en hypervigilance, donc c'est une possibilité. Faible estime de soi ou faible sentiment d'efficacité personnelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va revenir sur le sentiment d'efficacité personnelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept. Mais ça, déjà en soi, ça peut contribuer à l'anxiété de performance. Donc, bien sûr, les parents, les enseignants peuvent contribuer à améliorer cette estime de soi, mais votre étudiant arrive déjà avec ça en classe. Là, puis vous les avez pour 15 semaines là, dans le cas du collégial. Préconceptions erronées en lien avec l'évaluation. Donc, l'étudiant peut avoir déjà des préconceptions erronées en lien avec l'évaluation, des conceptions erronées de l'évaluation. Ça peut être plusieurs choses, mais la pensée du tout ou rien, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est tout bon ou tout mauvais. Une conviction que l'échec pourrait être insupportable, un entretien d'idéaux de réussite qui sont très, très élevés. Ça peut être aussi une perception de la réussite en termes quantitatifs, donc des notes, la cotère, etc. Donc, encore une fois, votre étudiant y arrive avec ce bagage-là. Perception négative de l'anxiété, je le disais tout à l'heure, puis c'est pas toujours connu, mais il y a quand même des bénéfices à être un petit peu anxieux en vue d'une évaluation. Mais si on voit l'anxiété vraiment comme une menace, ben ça peut être un cercle vicieux en fait et générer encore plus d'anxiété. Donc c'est sûr que si on voit l'anxiété vraiment comme une menace ou quelque chose qui est plus important, en fait qui peut nuire vraiment à l'apprentissage, ça peut être un facteur de risque. Finalement, la poursuite de buts de performance, je vais revenir là-dessus plus en détail tout à l'heure, là, comme une section complète de ma présentation sur le type de but poursuivi par l'étudiant. Mais si sa volonté, ce n'est pas nécessairement d'apprendre, sa volonté, c'est plutôt de vouloir avoir une bonne cotère ou c'est un passage obligé pour aller à l'université dans un programme contingent et tout simplement d'avoir des bonnes notes. Donc, c'est sûr que ça peut alimenter l'anxiété de performance. Donc, je le rappelle, là-dedans, il y a peu de choses sur lesquelles vous avez le contrôle comme enseignant ou comme professionnel de l'éducation. Donc, il faut se concentrer sur ce que vous contrôlez, le contexte d'apprentissage,
Donc, dans le contexte d'apprentissage, il y a plusieurs éléments. Donc, de la même manière que les parents qui ont des attentes élevées peuvent contribuer à l'anxiété de performance, des attentes élevées ou irréalistes de l'enseignant peuvent générer de l'anxiété chez une personne. Et souvent, des attentes qui sont très explicites envers un étudiant précis qui a, par exemple, bien performé à une évaluation précédente, puis là, on a plein d'attentes à son égard. Donc, ça peut être aussi parce que vous montrez que vous êtes fâché ou peu content quand il sous-performe, donc à un étudiant précis, mais au reste du groupe aussi. Valorisation de la réussite en termes de performance plutôt que d'apprentissage. On va y revenir vraiment plus en détail tout à l'heure, mais une phrase aussi anodine que ça, c'est important pour l'examen, ben, ça montre que c'est plus, l'examen est plus important que l'apprentissage en soi. Donc, des fois, il faut se demander aussi, est-ce que ce qu'on on met de l'avant, ce qu'on valorise dans notre cours, c'est vraiment l'apprentissage que va faire l'étudiant ou la note qu'il va avoir à son évaluation. Des fois, les deux vont de pair, tant mieux, mais parfois, il faut recadrer un peu. Donc, valoriser la performance plutôt que l'effort, l'amélioration, la progression. La diabolisation de l'erreur. Donc, l'erreur, c'est une composante essentielle du processus d'apprentissage. On le sait, on apprend souvent plus de nos erreurs qu'on peut apprendre de nos succès. Donc, diaboliser l'erreur de la part d'un enseignant, ça peut se faire de vraiment plein de manières, là. Ça peut être très intransigeant d'abord, là, dans la rétroaction, par exemple, être fâché quand quelqu'un fait une erreur, dire des choses comme ah, pourtant c'était facile, je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas eu. Donc, dans la rétroaction, mettre uniquement l'accent sur les erreurs et non sur les forces, etc., ça peut être des éléments qui alimentent l'anxiété. Comparaison constante entre les étudiants, vous n'avez peut-être pas l'impression de le faire, donc c'est rare que vraiment vous comparez deux étudiants entre eux, ça peut arriver, là, mais une comparaison à la moyenne, par exemple, donc à la courbe normale, donc ça amène des activités aussi qui peuvent être très compétitives, là, je vais y revenir tout à l'heure, ça peut alimenter l'anxiété de performance chez certains étudiants, pas chez tout le monde, hein. Des contextes d'évaluation qui sont stressants, avec beaucoup de contenu, qui sont difficiles et connus pour être difficiles. En faisant une évaluation, par exemple, en début de session pour faire le ménage, pour voir si l'étudiant il est vraiment à son affaire, s'il est prêt à vraiment s'engager dans votre cours, ben, un échec en début de session, ça peut démotiver la personne, ça va nuire à sa réussite. Donc, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Il faut que l'étudiant vive des réussites rapidement en début de session. Des contextes d'évaluation stressants, ça peut être avec une correction vraiment très, très, trop sévère, là. Ça peut être aussi des évaluations qui sont non transparentes, donc avec des critères de correction émergents, avec des évaluations à des dates de surprise, avec des questions pièges, etc. Donc, bien sûr, ça peut contribuer. Le nombre élevé d'évaluations. Donc, Sonia Lupien a mentionné que en sciences du stress, une évaluation, c'est considéré comme un stresseur environnemental. Donc, l'exposition à beaucoup d'évaluations pour un étudiant, ça va générer de l'anxiété non seulement au moment de l'évaluation, mais sans doute en prévision de, en anticipation de cette évaluation-là. Donc, il faut aussi prendre en considération qu'un étudiant qui est fatigué, épuisé, est plus à risque de développer de l'anxiété de performance ou d'en vivre du moins. Donc, évidemment, tous ces facteurs de risque, là, ce n'est pas une équation parfaite. Ça ne veut pas dire que tout le monde, en présence de ces éléments-là, va vivre de l'anxiété de performance. Là, je le disais, chaque personne a son propre bagage, ses propres outils, mais évidemment, c'est des facteurs de risque, des éléments qui peuvent contribuer. Donc, on va passer au levier d'action. Je vous présente aujourd'hui trois leviers d'action précis là, de l'anxiété de performance. Je pense que ça fait quand même un bon portrait là, de ce que vous pouvez faire contrôler comme enseignant. Je veux vraiment vous préciser que je vais en proposer beaucoup et l'idée n'est pas de faire tout ça. En fait, c'est irréaliste là, de faire tout ça. Je pense qu'en proposant plusieurs avenues, pour mettre en place un climat d'apprentissage qui est sain, vous allez comme enseignant trouver une, deux, peut-être trois éléments qui
qui résonnent chez vous, qui sont propices en fonction du contexte de votre cours, de vos préférences, de vos propres limites aussi comme enseignant. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y en aura jamais. Donc, c'est pour ça que je parle de levier d'action. Un même levier d'action peut être perçu différemment, trouver écho différemment chez deux enseignants. Donc, ici, ce n'est pas une recette là, que je vous propose, c'est des pistes de réflexion. Donc, ce n'est pas non plus une liste à cocher. Le premier levier d'action, c'est de dialoguer avec les étudiants et les étudiantes qui vivent de l'anxiété. Dialoguer avec les étudiants, c'est assez important, d'autant plus qu'on sait maintenant que vous êtes comme enseignant la première ressource vers laquelle les étudiants vont se tourner quand ils vivent de l'anxiété. Donc, sans avoir à faire une thérapie avec eux, parce que ça ne fait pas partie de votre champ de compétences et ce n'est pas votre rôle comme enseignant, parfois de donner quelques petits messages clés chez vos étudiants qui viennent vous voir après une évaluation ou avant une évaluation, par exemple, ça peut déjà faire une différence. Encore une fois, on respecte ses propres limites personnelles, mais aussi ses limites professionnelles, donc son champ de compétences, référer aux personnes compétentes dans le besoin. Ça veut dire quoi concrètement dialoguer avec les étudiants? Je vous ai mis des exemples. Encore une fois, il y en a d'autres. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Mais quand on se réfère aux facteurs de risque dont je viens de parler, il y a plusieurs éléments là-dedans qui peuvent être intéressants, qui y sont reliés. Donc, d'abord, faire preuve de bienveillance, d'ouverture et d'écoute. Si dans la liste, c'est la seule chose qui vous semble accessible comme enseignant, ça fait déjà une différence d'être à l'écoute de vos étudiants. Encore une fois, vous n'avez pas le temps là, d'écouter vos étudiants pendant une heure à chaque semaine parce qu'ils vivent de l'anxiété. Donc, il faut savoir aussi référer aux ressources spécialisées dans le besoin, mais d'entendre vos étudiants, d'être bienveillants, ouverts, à l'écoute, ça peut leur faire du bien. Vous pouvez les amener aussi à relativiser, mais faire attention de ne pas banaliser. Relativiser, ça peut être une solution pour les amener à diminuer leur perception de menace face à un échec ou une évaluation. Donc, vous devez les laisser nommer leurs inquiétudes. Vous pouvez le faire en début de session, vous pouvez leur demander de l'écrire. Là, je ne suggère pas que vous discutiez avec vos étudiants dans la classe et que vous leur demandiez pourquoi ils vivent de l'anxiété, etc. Ma crainte, c'est la contamination des autres étudiants qui, à ce moment-là, n'en vivent pas, mais en nommant les inquiétudes, ça peut contribuer à générer de l'anxiété chez les autres. Donc, je suggère, si vous voulez vraiment pouvoir entendre vos étudiants, leur demander, par exemple, de l'écrire tout simplement, puis ramasser ça, ça vous donne un portrait de votre classe, mais ça peut être aussi seul à seul avec un étudiant qui vient à votre bureau. Donc, les laisser nommer leurs inquiétudes, ça peut être vraiment une première étape intéressante. Éviter, donc quand je dis sans banaliser, il faut éviter de leur dire « ça va aller, tu t'inquiètes pour rien », parce qu'à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous invalidez ce que la personne ressent. Et ça, c'est pas une bonne méthode à privilégier. Donc, les amener à relativiser un échec, ça peut être fait de plusieurs manières. Donc, on peut y aller avec l'idée de c'est quoi la pire chose qui peut arriver si tu échoues à cet examen. Et là, faire le scénario pour voir que finalement, c'est peut-être pas si pire que ça, les conséquences de l'échec. Donc, ça peut être une première idée. Donc, si jamais tu échoues aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour te reprendre? Comment on pourrait travailler après cet échec-là? Pour ceux qui font une obsession sur leur cotère, donc vous pouvez leur demander dans quel programme ils ont envie d'aller. Parfois, ils ne veulent même pas aller dans un programme qui est contingenté ou qui demande une forte cotère et ils en font quand même une obsession. Ça peut être intéressant dans ces cas-là de les ramener au programme dans lequel ils souhaitent aller. S'ils veulent aller dans un programme contingenté, là, ça peut être plus difficile. Sachez que souvent, les conseillers en orientation ont ces discussions-là avec les étudiants. Donc, les motifs ou les raisons pour lesquelles ils souhaitent aller dans des programmes contingentés. On a tous déjà vu des étudiants qui veulent aller en droit ou en médecine parce que c'est ce que leur parent veut, mais dans les faits, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. Donc, les conseillers en orientation, ça peut être une ressource intéressante à l'interne, là, si vous en avez, pour dénouer cet enjeu-là. Amener les étudiants à identifier ce qu'ils contrôlent.
Donc, ils contrôlent un certain nombre de choses et il y en a d'autres sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Donc, il faut se concentrer sur les choses qu'on contrôle quand on vit l'anxiété. Donc, vous pouvez souligner d'abord ce qu'ils maîtrisent bien, ce qui est donc en vue d'une évaluation. S'ils ont déjà eu des expériences de succès dans le passé dans ce cours-là, bien, on peut les ramener à ça. Vous pouvez aussi les amener à eux-mêmes les nommer. Ça peut être intéressant de leur faire faire un peu de métacognition. Les ramener à ce qu'ils contrôlent. Donc, il y a plusieurs variables qui peuvent affecter une performance. On sait dans une évaluation, mais il y a des choses qu'ils contrôlent complètement, comme leur présence en classe, la qualité des notes qu'ils vont prendre, la méthode d'étude qu'ils vont privilégier, la révision qu'ils vont faire. Au contraire, vous pouvez leur rappeler que la fatigue, ça va nuire à la concentration, qu'une bonne gestion du stress avant un examen, ça peut être bénéfique. Donc, c'est des éléments à discuter avec eux. Vous pouvez leur demander aussi ce qui fonctionne généralement bien pour gérer leur anxiété. La plupart n'ont pas débuté leur anxiété au collégial. Ils vivent de l'anxiété, on le voit de plus en plus au primaire, au secondaire. Cette anxiété-là, elle est présente. Donc, ils ont sans doute déjà développé des outils pour gérer leur anxiété. Donc, vous pouvez leur demander ce qui fonctionne habituellement puis les ramener à ça. Parler de l'impact que peuvent avoir leurs pensées négatives, donc je le disais tout à l'heure, si ils voient l'anxiété uniquement de manière péjorative, négative, ça peut alimenter leur anxiété, donc leur faire prendre conscience de ça, leur parler des aspects positifs de l'anxiété, du fait que ça leur permet de s'engager, de les motiver en vue d'une évaluation, c'est positif. Vous pouvez aussi leur dire que s'ils disent explicitement « je vais échouer », donc les pensées négatives, il y a plus de chances que ça arrive vraiment. Donc, en ce qu'on appelle la prophétie autoréalisante. Donc, l'objectif, c'est d'éviter de dire « je vais échouer », au contraire, d'essayer de visualiser des expériences de réussite. Finalement, les référer à des ressources spécialisées. Donc, ça implique en premier lieu de connaître ces ressources-là. Autant les ressources qui sont interne, mais ça peut être intéressant aussi de connaître des ressources externes. Sinon, bien sûr, les ressources internes pourront référer aux ressources externes. Mais donc, il y a des outils, il y a des ressources qui sont mises en place dans les collèges pour aider les étudiants qui vivent de l'anxiété. Donc, ce n'est pas votre rôle de faire une thérapie avec vos étudiants. Et sachez que Sonia Lupien et bien d'autres ont souvent dit que l'anxiété de performance, c'est quand même facile, entre guillemets, là, à réguler, à gérer dans le cadre d'une thérapie. Ça va consister à amener l'étudiant à avoir un patron cognitif différent quand il se trouve dans des situations d'évaluation. Donc, de référer un étudiant à une ressource spécialisée, ça peut faire une grande différence pour lui dans le futur. Parce qu'une anxiété de performance en situation scolaire, souvent, on va la retrouver aussi en situation sur le marché du travail, en milieu professionnel. Donc, de l'aider à gérer, à développer des outils en utilisant des ressources spécialisées, bien, c'est déjà une bonne différence que vous pouvez faire. Donc, deuxième levier. Je disais, il y en a trois. Donc, valoriser l'apprentissage plutôt que la performance dans votre cours. Donc, ça semble un peu abstrait tout ça. Donc, on va essayer de voir comment on peut rendre ça concret. Donc, avant de vous parler de ces stratégies concrètes-là, je veux prendre le temps de poser des bases théoriques là, sur les buts scolaires. Donc, il existe deux types de buts scolaires, en fait, selon la catégorisation de Dweck là, en 1989, parce que ça a été repris, complexifié pour les biens de cette présentation. But de performance versus but de maîtrise, c'est assez pour les besoins qu'on a aujourd'hui. Donc, l'étudiant, quand il va réaliser une tâche, peut avoir des buts de performance ou des buts de maîtrise. Parfois, c'est un mélange des deux, mais généralement, c'est l'un ou l'autre. Donc, les buts de performance, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est de démontrer ses capacités et ses compétences envers les autres personnes. Donc, on va chercher à ce que les autres fassent une évaluation positive de nous. Souvent, on veut réussir mieux que les autres. Donc, il y a aussi un aspect de comparaison. Donc, c'est une réussite qu'on appelle socio-référencée. Donc, juger de leur réussite en fonction de la perception des autres aussi. Les buts de maîtrise, on est plus dans un véritable désir d'apprendre, de maîtriser une tâche parce qu'on a envie ou parce qu'on juge que c'est pertinent, que c'est utile de le faire. Donc, ces étudiants-là vont
juger leur réussite de manière auto-référencée, donc par rapport à leur propre perception, souvent vont être plus intéressés à voir leur progression, leur amélioration. On peut relier ça un peu à motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même des similarités entre les deux. Similitudes. Donc, plusieurs études, en fait, pardon, j'ai passé trop vite, là, plusieurs études ont démontré que selon le type de but qui est préconisé par l'étudiant, en fait, les buts de performance vont souvent alimenter l'anxiété de performance. Donc, selon Marie-Léa Coculot, qui a fait son mémoire de maîtrise sur l'anxiété de performance au collégial en 2014, donc 2014, vraiment une année anxiété de performance, le type de but préconisé par l'étudiant, selon elle, joue pour 31% de la variance dans le développement de l'anxiété de performance. 31%, c'est quand même important. Donc, ça, c'est un levier qu'on a. Les types de buts que l'étudiant va poursuivre dans votre cours. Ceci dit, encore une fois, il y a des préconceptions, il y a un bagage qui vont l'amener à valoriser l'un ou l'autre, mais vous-même, vous pouvez les amener à valoriser des buts de maîtrise. Donc, un jeune qui veut va vivre et plus à risque d'anxiété de performance, s'il vise, par exemple, à obtenir de l'attention positive, de l'admiration, des trophées de la part de ses pairs, à être le meilleur, donc pas le deuxième, mais vraiment le meilleur, éviter des conséquences négatives, donc des représailles, un changement de programme, des reproches des parents, par exemple, éviter un sentiment de culpabilité ou de honte. Si son objectif, c'est de faire plaisir à quelqu'un, donc je parlais des parents, mais ça peut être à des amis, des entraîneurs, là, dans le cadre d'un contexte plus sportif. À réussir ce qu'un parent n'a pas réussi avant lui. Donc, je ramène l'idée des étudiants de première génération ou des étudiants immigrants. Donc, ceci étant dit, comment concrètement l'on peut valoriser des buts de maîtrise dans la réalisation d'une tâche? Donc, je serais curieuse de vous entendre. Je fais appel à vous pour donner des idées dans le clavardage. Je vais vous présenter les miennes aussi, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Donc, je trouve ça toujours intéressant de voir ce que vous faites déjà, comment vous faites en sorte que vos étudiants aient vraiment un désir d'apprendre, de maîtriser la tâche dans votre cours plutôt qu'un désir de performance ou ce que vous pourriez faire. Donc, ce que vous faites déjà ou ce que vous pourriez faire. Donc, je vais peut-être lire quelques commentaires là, que vous pourriez ajouter dans le clavardage. Donc, donc l'apprentissage par les pairs, oui, tout à fait. Donc, déjà, ça peut diminuer cette volonté de comparaison, de compétition. Donc, le climat compétitif là, qu'on peut retrouver, par exemple. Je vais vous laisser quelques secondes là, pour écrire des idées. Oui, donc lire en classe avec eux, tout à fait. Ça peut être une avenue selon la discipline. Partager notre vécu d'étudiant, ça peut être très intéressant, effectivement. Une tâche qui est atteignable, je trouve ça très, très intéressant. On va en reparler tout à l'heure dans un autre des leviers. Ce n'est pas des leviers étanches, hein, donc évidemment, il y a des choses qu'on peut faire qui vont contribuer à par exemple, valoriser des buts scolaires de maîtrise, mais qui vont contribuer à d'autres choses qu'on va voir plus loin. Être expert de contenu, je leur dis, peu importe les notes que vous avez dans les cours, dans plusieurs années, quand vous serez sur le marché du travail, vous devrez comprendre ce que les autres corps de métier vous expliquent. Voilà pourquoi il est important de comprendre et d'avoir une bonne base. Effectivement, hyper important. On parlait de relativiser aussi l'importance des notes dans les cours. Ne pas publier les moyennes, on va y revenir tout à l'heure. Une stratégie aussi que je suggère selon votre contexte. Il y a d'ailleurs une question qui est posée là-dessus là, dans le QER, Magali. Ah, OK. Ben, je peux te laisser la lire, puis je vais essayer d'y répondre. OK. Ça vient de Nicolas Caron qui dit « Certains enseignants cachent les moyennes pour éviter justement l'anxiété de performance. » Selon moi, dit Nicolas, je pense que c'est malheureusement plus anxiogène dans la mesure où ils ne savent plus évaluer leur propre performance. La cote R existe malheureusement. Je serais curieux de connaître votre avis. Oui, je vais y revenir tout à l'heure plus en détail. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas suffisant de juste dire j'arrête de publier les moyennes. Il faut que l'étudiant puisse lui-même être en mesure de juger
de son niveau de maîtrise de la compétence, par exemple. Donc, il faut des mesures alternatives dont je vais parler tout à l'heure. Donc, j'y reviens, promis. Mais c'est sûr que c'est aussi, je crois, un espèce de changement de paradigme. Il faut que l'étudiant il puisse juger de ses compétences autrement que par sa comparaison à la moyenne. Ça alimente l'anxiété de performance. Donc, j'y reviens. Donc, utiliser des grilles critériées avec un continuum de développement des compétences, les mettre au défi d'utiliser ce qu'ils apprennent dans d'autres cours, super, excellente idée. Évaluation à l'aide d'un portfolio de compétences, connaissances, plutôt qu'un examen traditionnel, par exemple des questions à choix multiples dans un examen traditionnel. Tour de table pour échanger sur les réalités qu'ils vivent, se questionner, s'alimenter entre eux. Donc, il y a un esprit de collaboration, une communauté, faire des liens avec l'actualité. Donc, il y a plusieurs éléments, là, je ne pourrais pas toutes les lire, mais il y a déjà plein d'idées qui sont mentionnées. Donc, il y a des choses que j'ai reliées à ce levier-là et d'autres au levier suivant. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, poursuivons pour l'instant. Donc, ce que moi, j'ai identifié comme avenue pour encourager ou comme stratégie pour encourager vos étudiantes et vos étudiants à poursuivre des buts de maîtrise, c'est quatre éléments. D'abord, miser sur l'utilité perçue de votre cours. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut valoriser vraiment les apprentissages pour motiver vos étudiants. Parce que le contenu de votre cours, il est pertinent, il est utile pour leur futur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, en fait, en quoi c'est utile? Sans doute. Est-ce que vous l'avez partagé à vos étudiants? Je peux vous donner un exemple dans les cours. Je suis enseignante en histoire. Dans mes cours d'histoire, je commence toujours le premier cours par une discussion atelier sur à quoi ça sert de faire de l'histoire. Pourquoi on fait ça? Si c'est un cours d'histoire du Québec, je vais relier ça à l'histoire du Québec. Si c'est un cours d'histoire du 20e siècle, etc. Donc, je passe vraiment une bonne demi-heure, sinon une heure parfois, selon les discussions, pour déterminer ça. Mais il faut aussi le faire tout au long de la session. Pourquoi est-ce que je vous apprends est utile? Pas dans une vision utilitaire, mais dans une vision de développer des compétences qui vont servir dans le futur. Donc, réfléchir votre cours en fonction de l'utilité aussi, pour que ce que vous leur appreniez trouve écho à l'extérieur de la classe. Donc, prenez le temps de leur dire en quoi les compétences développées sont utiles. Par exemple, cours de philosophie, ben, pour apprendre à défendre ses idées, à structurer un raisonnement, nuancer sa vision sur le monde, etc. Favoriser l'apprentissage par le plaisir aussi, ça peut être intéressant, s'inspirer de ce qui les intéresse. Donc, il faut d'abord connaître ce qui les intéresse, essayer de faire des liens avec leurs intérêts à vos étudiants, alimenter leur curiosité. Donc, partir par motiver vos étudiants avec une motivation qui est plus intrinsèque, là, il y a plein d'études là-dessus, j'aurais pu dire plein de choses, mais encore une fois, ça peut trouver écho de différentes manières chez chacun d'entre vous. Amener vos étudiantes et vos étudiants à se fixer des cibles personnelles réalistes axées sur la maîtrise. Donc, amener vos étudiants à déterminer un objectif pour votre cours ou pour un segment de cours, par exemple, et éviter que l'objectif ce soit passer le cours ou une note précise ou avoir une bonne cotère. Donc, vraiment leur demander de réfléchir à autre chose que des critères de performance quantitatifs, souvent. Donc, on peut faire ça dès le début de la session, par une évaluation diagnostique, donc pour l'ensemble du cours. Vous pouvez le faire, dans le fond, après ou avant une évaluation sommative. Donc, je peux vous donner deux exemples concrets. J'enseigne un cours d'initiation aux sciences humaines, qui est le cours d'entrée là, dans le programme de sciences humaines. C'est le cours où les étudiants apprennent, entre autres, là, les compétences du métier d'apprenant. Donc, au début de la session, je leur fais remplir un questionnaire d'auto-évaluation de leur maîtrise de ces compétences-là, comme la prise de notes, la gestion du temps, la lecture active, etc. Et après avoir s'être auto-évalué, donc il y a une échelle, je leur demande de cibler une ou deux de ces compétences-là et de se donner un objectif d'amélioration au fil de la session. À la fin de la session, on revient sur cet objectif-là dans leur évaluation finale. Donc, c'est une manière de les amener à se fixer une cible qui n'est pas une cible d'avoir 80 ou 90% dans le cours, par exemple. Ça peut être ça. Souvent, après une première évaluation, un premier examen intra, par exemple, je leur demande de remplir un questionnaire aussi d'auto-évaluation. Comment ils s'y ont pris pour étudier? Est-ce qu'ils jugeaient que c'était pertinent? Puis, ce qu'ils pourraient faire de différent en vue de la prochaine évaluation qui est semblable. Encore une fois, je peux leur demander d'établir un objectif d'amélioration en vue de la prochaine évaluation.
Valoriser les apprentissages, les améliorations et les efforts. Donc, ça, c'est important aussi dans une approche par compétence. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on évalue, hein. Donc, dans une approche par compétence, on évalue la compétence de l'étudiant. Par contre, au fil de la session, on peut mettre l'accent sur les progressions, les améliorations de l'étudiant, entre autres dans notre rétroaction. Porter plus attention à l'effort fourni par l'étudiant, le valoriser à travers ça, ses forces aussi. Donc, c'est des éléments qui perdurent dans le temps. Concevoir l'erreur comme une composante essentielle du processus d'apprentissage. Je le disais tout à l'heure, dans une pensée plus traditionnelle, souvent l'erreur, c'est comme le non-su. Souvent, il y a une cause là, négative à l'erreur. Par exemple, le manque d'effort, l'inattention, le manque d'études. Parfois, c'est vrai, là, on s'entend là-dessus. Mais cette vision-là de l'erreur, elle va sous-tendre une impression, une évaluation négative. Quand on évalue quand on corrige des évaluations sommatives. Donc, l'apprentissage, on le sait, ce n'est pas un processus qui est linéaire. Là, ça se fait par essai-erreur, tâtonnement. Parfois, on recule un peu, on avance un peu plus la fois d'après. Donc, ce n'est pas un processus, là, juste une simple progression. Donc, comment laisser place à l'erreur dans votre cours? Ben, des évaluations formatives, d'abord, c'est un excellent moyen. Bien sûr, on s'en sortira pas. Je vais revenir souvent avec les évaluations formatives, mais c'est un bon moyen de faire des erreurs en toute sécurité. On peut expliquer que l'erreur aussi fait partie du processus d'apprentissage, que ce n'est pas normal de ne pas faire d'erreur, hein, ils sont là pour apprendre au collégial, leur rappeler, parfois ça fait du bien. Vous pouvez aussi utiliser l'erreur comme une source d'apprentissage, donc les amener à corriger leurs propres erreurs, donner des évaluations chance quand c'est possible. Ce que je veux dire, c'est par exemple, l'étudiant a 5 mini-tests, mais vous comptez les 4 meilleurs. Donc, ça peut lui permettre aussi de faire des erreurs sans qu'il soit pénalisé directement. Donc, il y a plein de choses là, que vous pourriez faire. Troisième levier, donc je vois le temps qui file quand même. Donc, développer le sentiment d'efficacité personnelle de vos étudiantes et de vos étudiants. Pour moi, là, ça, c'est le gros morceau. C'est le plus important. Il faut essayer de développer le sentiment d'efficacité personnelle de nos étudiants. La littérature, là, elle est très, très claire sur le lien entre un faible sentiment d'efficacité personnelle et l'anxiété de performance. C'est plus à démontrer, ça a été montré à plusieurs reprises. Donc, ici aussi, je pense que c'est important de prendre le temps de bien vous définir le concept de sentiment d'efficacité personnelle. Il est de plus en plus connu, mais il y en a peut-être certains d'entre vous là, qui ne le connaissent pas. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, en fait, c'est la perception qu'a un étudiant de sa capacité à réaliser une tâche donnée. Donc, on va, en fait, contrairement à l'estime de soi qui est vraiment plus globale. Ici, on parle d'une tâche spécifique. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle peut varier en fonction de ces tâches-là. Par exemple, un étudiant peut avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle pour rédiger une dissertation littéraire, mais un très faible sentiment d'efficacité personnelle pour résoudre des problèmes de mathématiques. Même au sein de votre propre cours, il peut y avoir certaines tâches pour lesquelles l'étudiant a un fort sentiment d'efficacité personnelle et d'autres pour lesquelles il a un faible sentiment d'efficacité personnelle. Et ce sentiment d'efficacité personnelle, il peut être influencé par différents facteurs. Donc, Bandura, en 2003, a fait émerger 4 sources du sentiment d'efficacité personnelle. La maîtrise personnelle, ce qui veut dire plus une personne vit du succès dans l'accomplissement d'une tâche, plus elle risque d'avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle dans cette même tâche. C'est assez naturel. Mais il faut penser qu'au contraire, une personne qui vit des échecs dans cette tâche-là risque donc, au contraire, de voir son sentiment d'efficacité personnelle s'amenuiser. Il y a l'état physiologique et émotionnel. Donc, si une personne associe un état émotionnel désagréable, par exemple l'anxiété, une situation stressante, à une faible performance lors de l'accomplissement d'une tâche, bien, ça va avoir pour effet de l'amener à douter de ses compétences pour accomplir la même tâche la prochaine fois. L'apprentissage social, donc une personne va construire ses croyances au sujet de son efficacité personnelle à partir non seulement de sa propre expérience, comme on l'a vu dans les deux sources précédentes, mais aussi en fonction des expériences des autres, en observant les expériences des autres, ce qu'on va dire en se comparant souvent. Donc, une personne peut avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle avec une tâche précise, puis finalement, quand elle se compare, elle trouve qu'elle est moins bonne que la moyenne, par exemple, et là, ça va nuire à son sentiment d'efficacité personnelle. La persuasion par autrui. Donc,
C'est plus facile pour quelqu'un de maintenir un fort sentiment d'efficacité personnelle quand une personne significative autour de lui lui exprime sa confiance en ses capacités. Donc, personne significative, ça peut être un enseignant. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la fameuse méta-analyse de Hattie en 2009, le Visible Learning, la composante qui a le plus d'impact positif sur le succès scolaire d'un étudiant, c'est la confiance qu'a un professeur envers le potentiel de ses étudiants. Donc, on va reprendre les quatre facteurs un à un pour leur accoler quelques stratégies précises. Donc, encore une fois, je vais prendre quelques interventions dans le clavardage, trois ou quatre interventions. Comment vous pensez qu'on peut amener l'étudiant à vivre des succès, finalement, dans l'accomplissement d'une tâche? Donc, d'avoir une perception positive de sa capacité de réussite. Qu'est-ce que vous faites déjà ou qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'amener à avoir cette perception positive? Commencer par des tâches simples, morceler la matière. Garder des traces de sa progression et les ressortir s'il se décourage, mais donc le ramener, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'il maîtrise déjà bien. Des critères de performance clairs, choisir un niveau de difficulté approprié. L'évaluation formative, bien sûr, on y revient encore une fois. Ce n'est pas la dernière. Je vais prendre peut-être une dernière. Des évaluations en situation authentique. Oui, ça peut contribuer même au point précédent que je disais, rendre utiles les apprentissages aux yeux des étudiants. Les situations authentiques, ça évidemment aide à le faire. Donc, lui donner accès aux erreurs, répéter des tâches plus importantes. Tout à fait. Donc, je regroupe ça en deux catégories. Donc, intégrer de manière plus systématique l'évaluation formative, évidemment. Donc, peut-être vous demander, est-ce que toutes vos évaluations sommatives ont besoin d'être sommatives? Donc, surtout si vous avez plein de petites évaluations, est-ce que certaines d'entre elles pourraient être formatives? C'est pas compliqué, les évaluations formatives. Ce qu'il faut, c'est que l'étudiant, quand il se retrouve devant certaines tâches dans votre évaluation sommative, il ne faut pas qu'il ait l'impression que c'est la première fois qu'il fait face à ce type de tâche-là. Si vous gardez ça en tête, que l'étudiant doit pouvoir se pratiquer au préalable de manière formative avant de faire une tâche complexe sommativement, ben vous devriez être correct avec ça. Privilégier une vision étapiste, là, ça fait écho avec ce que certains disaient de l'évaluation. Donc, y aller graduellement, privilégier des évaluations plus faciles en début de session. Là, je le disais, faut pas qu'un étudiant vive un échec en début de session, ça va le démotiver pour le reste de la session. Donc, c'est l'inverse, une évaluation qui est un peu plus facile au départ, ça peut créer une impression qu'il maîtrise la tâche donnée. Donc, lui donner un peu de gaz là, pour la suite du cours. Considérez aussi l'évaluation sommative comme une occasion d'apprendre. Comment je peux utiliser la première évaluation sommative pour préparer l'étudiant à la seconde? Comment faire le lien entre les deux? On a parlé portfolio, remise intermédiaire, accompagner l'étudiant pas à pas dans la rétroaction. Dans la rétroaction aussi, peut-être accorder plus de temps. Être plus généreux dans les commentaires sur des aspects qui reviennent dans les prochaines évaluations aussi. L'état physiologique ou émotionnel. Donc là, je le disais, si la situation d'évaluation, elle est très, très stressante, ça va, et que l'étudiant sous-performe dans ces conditions-là, ben, ça va nuire à son sentiment d'efficacité personnelle. Donc, comment on pourrait limiter le caractère stressant des évaluations selon vous. Donc, je vais encore prendre quelques interventions. Comment faire en sorte que l'évaluation, on s'entend, une évaluation, c'est stressant à la base et c'est normal qu'elle le soit. Après, est-ce qu'elle a besoin d'être aussi stressante? C'est ce qu'on peut se demander. Donc, comment on pourrait contribuer à ce que l'évaluation soit un peu moins stressante? Je vous laisse écrire quelques idées là, dans le clavardage. Magali, il nous reste à peine quelques Oui, trois OK. Je vais minutes. passer. Merci. Merci. Donc, favoriser la transparence des évaluations.
Ça peut être une première bonne étape, donc les consignes claires, des grilles de correction détaillées. Si c'est possible, c'est pas toujours possible, mais donner des exemples de travaux ou des exemples d'examens des sessions précédentes. Éviter des tests surprises, là, juste l'anticipation d'une évaluation à une date inconnue là, par son caractère imprévisible va générer de l'anxiété. Donc, le plus possible, donner des dates d'évaluation à l'avance. Si le contexte le permet, donner des questions d'examen à l'avance. Par exemple, moi, en histoire, je donne une banque de questions qui vont se retrouver à l'examen. Puis à l'examen, les étudiants, par exemple, ils doivent préparer 10 questions. Il y en aura 5 à l'examen. Donc, ça permet de réduire un peu le caractère stressant. Éviter de souligner le niveau de difficulté d'une évaluation. Certains qui font ça, donc cette évaluation-là, je vous avertis, la moyenne à chaque année, elle est plus faible. Peut-être que plutôt que de préciser ça, on peut se demander premièrement si elle a besoin d'être aussi difficile, cette évaluation, pour atteindre la compétence du cours. Si oui, d'accord. Alors, on peut se demander comment mieux préparer les étudiants plutôt que de leur souligner là, le niveau de difficulté. Réduire le nombre d'évaluations, on en a déjà parlé. On ne veut pas non plus, par contre, des évaluations avec des pondérations extrêmement élevées. Remplacer certaines évaluations sommatives par des évaluations formatives, ça peut être une idée. Se concerter avec d'autres enseignants de votre programme, il y en a qui le font déjà, des fois ce n'est pas possible, mais pour essayer d'avoir un calendrier global d'évaluation qui est logique, qui n'entraîne pas une surcharge pour les étudiants. Augmenter leur sentiment de contrôle en vue d'une évaluation. Par exemple, leur laisser des choix de questions à l'examen, leur permettre une feuille de notes ou un examen à livre ouvert. Donc, ils peuvent avoir un fort sentiment de contrôle s'ils se préparent bien à la chose. Il faut les accompagner. Leur permettre de choisir le sujet ou le format même d'un travail. Ça peut être des manières d'avoir un état physiologique ou émotionnel qui est plus positif en vue d'une évaluation. Magali, je m'excuse, mais là, il nous reste 5 minutes. Il y a des questions qui sont posées et moi, j'avais un petit quelque chose à partager. Oui, OK, je vais passer ça, mais je vais vous le montrer très, de manière très globale. Ça reprend ce qu'on vient de présenter. Je vais prendre une dernière minute. Merci. La maîtrise personnelle, on en a parlé. On a parlé de l'état physiologique et émotionnel. L'apprentissage social, j'en parlais tout à l'heure, peut-être de centrer l'étudiant sur sa propre réussite, éviter de comparer les étudiants à la moyenne, donc montrer la moyenne, etc. Comme je le disais, peut-être pas une bonne solution, la courbe normale non plus. Utiliser les activités compétitives avec prudence. Donc, j'ai écrit un article complet là-dessus sur comment on peut faire des activités compétitives qui favorisent la réussite de tous. Parce que l'enjeu avec les activités compétitives, c'est qu'elles vont souvent favoriser la réussite des meilleurs et nuire à celle des plus faibles. Donc, il faut faire attention. Puis la persuasion par autrui, donc témoigner de votre confiance envers vos étudiants, nommer leurs forces aussi, ça peut être une bonne avenue. Donc, vous avez mes références bibliographiques que j'ai utilisées pour cette présentation. Donc, je vais prendre je suis désolée d'avoir pris autant de temps. Je vais arrêter le partage. Deux questions. Il y avait celle de la personne, Nicolas, à propos de la moyenne. Est-ce qu'on la montre ou on ne la montre pas? Il y a Noémie, elle parle d'évaluation formative en disant, oui, le formatif peut-être, mais en même temps, c'est démotivant pour les étudiants. Puis elle a dit qu'elle fait plusieurs évaluations sommatives qui comptent très peu, mais pour eux, c'est plus, ça compte plus pour les étudiants. Elle a dit, j'enlève les deux évaluations sommatives les plus faibles. Est-ce que c'est une bonne façon de penser? Est-ce que c'est une bonne façon de susciter, là, aussi, de prévenir l'anxiété de performance? Il y aurait une autre question par la suite sur l'évaluation, sur le nombre d'évaluations encore là, qui revient de Dominique Poirier. Parfait. Pour revenir sur la question de la moyenne, là, pour bien sûr de répondre à la question, comme je le disais, pour moi, un des dangers de la comparaison à la moyenne, c'est les étudiants ultra performants vont vraiment se valoriser par le fait qu'ils dépassent la moyenne et ça va alimenter leur anxiété. Les étudiants plus faibles, ça nuit à leur sentiment d'efficacité personnelle de voir que je suis vraiment nettement en dessous de la moyenne. Je suis d'accord que ça peut générer une forme d'anxiété de ne pas avoir accès à cette moyenne parce que sont habitués avec ça aussi. Il y a beaucoup d'enseignants à mon collège qui l'expérimentent et on a parfois des étudiants qui s'y opposent, là, qui ne sont pas contents. Je pense que c'est un changement de paradigme. On doit y aller graduellement. Mais comme je le disais, il faut quand même
en contrepartie, que l'étudiant soit capable d'identifier ses forces et ses faiblesses. Là, on a parlé de plein d'autres stratégies qu'on peut utiliser que de présenter, que de comparer l'étudiant à la moyenne. Donc, pour moi, les autres stratégies sont plus envisageables. C'est vrai que les évaluations formatives peuvent être démotivantes pour certains étudiants, entre autres parce que ce qu'ils poursuivent, c'est des buts de performance et non des buts d'apprentissage, parce que s'ils voulaient vraiment apprendre, l'évaluation formative serait aussi intéressante que la sommative. Bon, on est dans un monde idéal, un peu utopique. Mais donc, il y a plein de stratégies pour rendre les discussions, les évaluations formatives plus intéressantes pour les étudiants. Avoir plein d'évaluations sommatives, c'est une avenue, mais il ne faut pas exagérer, comme je le disais, parce que ben, l'évaluation en soi est un facteur de stress, pour un stressor environnemental. Je le disais, il peut y avoir surcharge pour un étudiant qui vit de l'anxiété pendant, mais aussi en prévision de l'évaluation. Donc, s'il est constamment en évaluation, ben, ça peut effectivement nuire. Donc, il faut trouver le juste milieu. Je trouve que l'idée de faire plusieurs évaluations sommatives avec des évaluations qui ne comptent pas au final, donc prendre les meilleures performances, c'est un entre-deux intéressant. Merci. Il y a Dominique Poirier qui pose la question suivante. Réduire le nombre d'évaluations, on dirait qu'il n'y a pas de bonne réponse en lien avec ça. Si on fait moins d'évaluations, les étudiants trouvent que celles qui restent valent trop de points et ça augmente leur anxiété. Alors, on en fait plus, mais le nombre d'évaluations cause aussi l'anxiété. C'est pas évident. C'est ce que Dominique disait. Oui, j'en ai parlé d'ailleurs. Là. C'est encore une autre affaire, là, un équilibre fragile qu'il faut trouver. Donc, un entre-deux qui peut être intéressant. Ce que je veux dire par beaucoup d'évaluations, c'est qu'on en voit parfois dans des cours là, 10, 12 évaluations, c'est toutes des 1, 2%. Souvent, on utilise cette stratégie-là pour favoriser la présence des étudiants en classe puis leur étude graduelle, mais dans les faits, encore une fois, on alimente des buts de performance plutôt que de maîtrise. Donc, moi, je me concentrerai sur l'autre objectif, mais il ne faut pas des évaluations qui valent 50, 60. Là, on augmente le caractère stressant de l'évaluation. Donc, il faut trouver un juste milieu. Fort pertinent, Magali. Les gens ont beaucoup apprécié. Il y aurait plusieurs... on pourrait prolonger les échanges pendant encore pas mal de temps, mais que voulez-vous? Le temps est une variable pour laquelle on n'a pas de contrôle. Les gens vont te remercier, puis j'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir dans un autre webinaire où tu Avec pourras plaisir. Continuer dans la même veine, aborder un autre sujet. Tu es une très bonne présentatrice, c'était bien intéressant. Et merci aux participants pour la qualité de vos pour votre écoute, pour votre participation active. C'était très apprécié, ça aussi. Alors, je vous dis à la prochaine.